les enfants. Bonjour les enfants, on espère que vous allez bien. Fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Bah oui, quand oui. même. J'étais un petit peu malade. C'est vrai. Mais là, je vais mieux. D'ailleurs, je vais tellement mieux que maintenant, je peux manger des bonbons. Ah oui. C'est marrant. Regarde, bon. J'en ai préparé, alors je ne vais pas les manger tout seul. Non, c'est surtout... Il raconte n'importe quoi, Père Foura. Il les achète pour nos petits-enfants, pour Maryse et Hugo. Alors, Père Foura, t'as acheté combien de bonbons? Alors, attends, que je regarde un petit peu. Il me semble que j'en ai mis 12. 12? Oui. Et alors, il faudrait les partager entre Maryse et Hugo. Mais attention, un partage équitable. Oui, parce que sinon, après, ils vont se disputer. Alors, s'il y a 12 bonbons qu'on partage en deux, je crois qu'on va demander de l'aide. Je crois que c'est plus simple. Alors, combien auront de bonbons chaque enfant? Combien aura de bonbons Maryse et combien aura de bonbons Hugo? Attention, le même nombre pour chacun. Et plus difficile, moi j'en ai acheté 28, Père Foura. Et je voudrais faire le même partage entre Maryse et Hugo. Alors, combien vont-ils avoir de bonbons si j'en ai 28 et que je les partage en deux? Il ne faut pas qu'ils mangent tout d'un seul coup, hein, quand même. Hein. Non, sinon ils vont être malades. Bon, aidez-nous les enfants, aidez-nous à trouver. On est sûr que vous allez réussir. Oui. Bon, allez, on vous laisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils sont bons les bonbons. Ils sont bons. Je préfère sur les cassis. Oh, il y a tous les goûts. Hein. Ouais, fraises, citron. Au revoir. Au revoir.